YouTube, bonjour, c'est le jour J, c'est l'annonce officielle dans quelques instants, dans 2 minutes très précisément, de la date de sortie de Grayson Warfare. Si t'as pas vu ma précédente vidéo au sujet, enfin sur le sujet, je te rappelle qu'il y aura 4 éditions disponibles à l'achat. Une à 35$, une à 58, une à 80 et une à 100$. On est en direct sur Twitch comme tu peux le voir, beaucoup de bonjour YouTube. Dans 60 secondes, on y va. Il y a des rumeurs, si tu veux, qui expliquent que il y a un monde où le jeu sort aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a eu une mise à jour ce matin de 2 gigas concernant le jeu sur Steam. Donc, à voir si... voilà. C'est la grosse rumeur du jour. Est-ce qu'ils vont nous dire disponible maintenant? Affaire à suivre. TTC ou hors Bonjour tout le taxe? monde, suis votre éternel Ah, ça, par amour. contre, c'est une bonne question. J'en sais rien puisque ben, j'ai pas pu acheter. Personne ne peut acheter pour l'instant. Ah, il y aura peut-être un monde où effectivement, il faudra rajouter la TVA sur ça. C'est pas impossible. Ah, merci Stock, merci BG. On est 5000. 14h58. Si c'est sur Steam, c'est forcément TTC. Autant pour moi. On se met en Suisse, du coup, 0 TVA. Je crois pas que ce soit 0 TVA si tu te mets en Suisse, mais effectivement, tu peux gratter un peu. Je sais pas si je dois attendre là. Je fais un F5? Je fais un F5. Ça n'a rien changé. Après, il n'est pas 15h, il est 59. Bon, on voit quand même qu'il y a de la motivation. On approche les 6000. Malgré le fait qu'on soit en pleine journée. Tu vas prendre laquelle de version d'âme? Bah, je sais pas. Comme je disais, en fait, les clés qu'ils nous ont données pendant l'alpha test, ils les ont transformées en jeu officiel. Donc en gros, ils viennent de nous offrir le jeu. C'est noble, parce que c'était pas obligatoire de le faire. Est-ce que je vais upgrade? Enfin, ils nous ont précisé en tout cas qu'on pourrait upgrade en payant que la différence si on le souhaitait. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Bizarre de vous le donner maintenant. Après, il nous donne pas une. Ah, c'est parti, les gars. Alors, c'est parti. Oui et non. 2 minutes de rab. Et on y va. Vous avez le son là, c'est bon? Est-ce que je vais lâcher Tarkov? Ce n'est pas parce que. Bonjour à tous, la team 7. Un jour, je décide de manger du blanc de poulet et le lendemain de la viande rouge que j'abandonne la viande blanche. J'aime à croire que le lendemain, je peux remanger de la viande blanche ou de la viande rouge. Merci Chucky, merci pour le Prime BG. Flexitarien 7. C'est un truc officiel ce truc d'attente là, non? Parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. C'est un truc gratuit qui existe en free. Dame, à vous en live, être carnivore. Est-ce que je vais m'attirer les foudres de la team vegan? Donc là, la question, ça va être effectivement quand est-ce que ça sort et surtout qu'est-ce qui a été fait entre temps? Parce que c'était à combien de temps qu'on a joué à Grayson? Une semaine, 2 semaines? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Est-ce qu'il y a eu des corrections de bugs, surtout sur l'optimisation? Parce que encore une fois, je plantais plusieurs fois par jour tous les jours. Pas beaucoup de FPS pour certains. Ça part. So cool. Grayson Warfare is one of my most anticipated games of all time. The level designers on this game, they need an award. This jungle looks incredible. Ah, ils ont pas mis mon logo, d'accord. Immersive, technologically ahead, and
brave. Just look at the village, man. Just look at how detailed it is. Their environment design is some of the best in the business. I can't get over how good these weapon models look, man. So nice. Bleed. If you lose 50% of your blood, you go into a coma from which you can die or be resuscitated. That was some of the most fun I have ever had with a game like this. It looks really good with the foliage. Shots coming through the wall? I just saw a bullet come through the wall. Dude, that was cool. Look at my clothes. Red, I see him. He's dead. The way. Two dumb. Seen. Oh shit. Go on. That's one of us. Drop the other. Got one down. How come to lose this? In front of the supermarket. Oh, you got one in front of the supermarket. Grenade out. I'm hurting, boys. Yep. 90% of gamers don't. Oh, I just got one tapped, bro. I'm dead. You're dead? Oh, I got him. Ça se voit qu'il a pas beaucoup de FPS. You're gonna enjoy this game. It's stressful. I need to move a bit tactically. Stay. Keep my six safe. Shit, that's a fuck. Got him, yes! The sound staging for the weapons is some of the absolute best I have seen come from the industry. Reload your main, no! Outside the compound. Huh? Up and over. Delicious. Oh. Je comprends mieux comment il fallait faire pour être dans la vidéo. How far this grass is rendering is insane. It's really crazy, dude. Oh, nope, still another. Down. Coughing. Let me just do a serve here. So good. Oh yeah, if you're wondering, you can penetrate this. This game is starting off on the right foot. I'm dead. Fuck. This is still probably my number one candidate for shooter of the year if the game comes out this year. Ah! Demain! Wishlist on Steam direct. Donc en fait, ce trailer finalement, c'était quoi? C'était nous montrer les bons moments qu'ont passé les créateurs qui ont joué la fois dernière. Alors évidemment, bon, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, ils vont pas mettre en avant les côtés négatifs du jeu, mais ok, ils ont redirigé vers un autre mec. Okay. Ouais, bon, bah, on en pense quoi, les gars? Bonne nouvelle quand même, parce que encore une fois là on arrive sur Tarkov dans un creux où au-delà de tous les dramas qu'il y a pu avoir et des décisions prises je suis en train de regarder sur Steam s'il est déjà dispo et si on peut acheter ou quoi. Non, je le vois pas, peut-être parce que je l'ai déjà dans ma liste de souhaits. Quand tu cliques sur Grey Zone Warfare, pour l'instant c'est toujours en... On est toujours en prochainement, genre. Donc peut-être qu'à partir de demain, on pourra l'acheter. Pour l'instant, c'est toujours effectivement que du wishlist. Vu le temps passé depuis les tests, j'ai très peur des perfs à la sortie. Ouais. Ça veut dire que là, en gros, ils se sont laissé le temps de quoi? De une semaine, deux semaines grand max. Ou alors, une des théories qui était avancée par certains gars du chat, c'était peut-être que sur la version sur laquelle nous, on a pu jouer, c'était pas la définitive. Écoute, YouTube, affaire à suivre, en tout cas c'est demain. Si le temps que j'up la vidéo, si je trouve l'heure de release, je te la donnerai. Je crois pas avoir vu l'info nulle part. Mais voilà, Grey Zone Warfare, c'est pour demain.